On y retourne, la suite de notre aventure, Palanezzo. Alors comme je vous disais, j'ai joué ce matin. J'ai mis 50 minutes à faire de la terraformation. Bonjour Wizo. 50 minutes à terraformer pour décrocher officiellement l'île tropicale du reste du parc. Donc vous allez admirer ce que j'ai fait, bien sûr, sur le paradis des animaux. Et vous allez être choqués, tout simplement. Tu peux baisser un tout petit peu? Ah bon? Bah hier, on m'a pas dit que ça criait. Attends. Attends. Ça crie fort, là? Bonjour, Valjumper. J'ai encore baissé le son, du coup. Ça crie pas du tout. Non, c'est bon. Ah bon? C'est tout doux? Ok. Ah bon? J'ai créé un zoo, il n'y a que des buffles, des autruches, des cerfs, hélas, des zèbres et des flamants roses. Trop bien. Eh, regardez! Comment c'est trop stylé! Ça démarre, hein? On a décroché officiellement l'île du reste du parc. Alors, l'île, la forme de l'île en elle-même va évoluer forcément au fur et à mesure de la construction des enclos. Mais disons qu'on a le dessous qui est fait, qui permet d'avoir une forme à peu près correcte, quoi. C'est plus juste un cube posé à 5 cm du sol. Hey, 50 minutes, ça m'a pris. 50 minutes, j'ai recreusé de 3 de profondeur en cube. Terrain, là. Ça, là. J'ai recreusé de 3 de profondeur. Donc, de 60 mètres. C'est quoi les piliers qui... Ouais, non, mais j'ai pas fait ça encore. Faudra que je fasse un pont, que je construise un pont. Mais on peut toujours modifier ça. Attends. Allez, Ajacta S. Allez. Support d'aller. On n'en veut pas de ça. Voilà. Donc tout va bien. Et j'ai aussi agrandi ici le lac, comme vous pouvez voir là. J'ai agrandi un peu le lac. Histoire de... d'amener quelque chose de plus sympathique, quoi. Voilà. Comprendre mieux, mon son était totalement à fond. Ah, d'accord, ok. Bon, ça va. Du coup, voilà ce que j'ai fait ce matin, de 50 minutes de terraformation. J'ai aussi pris le temps de creuser un petit peu, d'élargir ici, là, et de détacher du coup là derrière. Comme ça, vraiment, même quand je vais ajouter une île ici, ce sera déjà détaché ici du bord. Et bon, c'est bon, on n'aura pas trop de soucis à faire. Et puis voilà. Rien de plus à vous lire, hein, de ce côté-là, en tout cas. Là, l'objectif, c'est... J'ai hésité, honnêtement, à venir fermer l'enclos ici. Pour supprimer toute cette zone-là. Pour faire un enclos légèrement plus petit. Et du coup, une île plus petite. Mais en même temps... Bon, ça va, quoi. En même temps, ça va, quoi. Mais ça va évoluer, hein. Je vous le dis, il va y avoir des montagnes. Ça, clairement, il va y avoir de la montagne. J'ai envie de mettre des structures un peu aztèques, maya, au-dessus. Là. Est-ce qu'on a des constructions, d'ailleurs? Je vais regarder. Un plan, peut-être? Plan préfabriqué. Et voir. Thèbes. Amérique du Sud. Abri, Amérique du Sud. What, c'est immense. Oh, c'est immense. Bon, bah, j'y vais, je vais jouer à Palanezzo. Ça marche au camion. Oh, c'est un peu grand. Cabane perchée, on sait pas trop pourquoi. Putain, mais ils sont immenses les plans, en fait. Petit temple. Petite ruine. Je pense que je vais mettre des ruines comme ça ici. Pour décorer... la montagne.
On va peut-être aller voir s'il y a des... On va peut-être aller voir s'il y a des décos. Amérique du Sud. Sur le workshop. Ah, ça peut être intéressant. Ah ouais, attendez, on va faire ça. Workshop. Pour ton problème de caméra, tu as regardé dans les paramètres, tu as une option vue libre. Comment ça, le problème de caméra? Sur Planet Coaster, elle est chiante, mais Planet Zoo, ça va. Hein. Attendez, qu'est-ce que je voulais faire là? Changer de scène. Tac. Sur Planet Zoo, ça va, j'ai l'habitude. Planet Coaster, c'est pas les mêmes touches, je trouve. Ah ouais? Oh, bah, comme par hasard, quoi. Une île volante. Ça, on m'a copié ça. Alors, South America. Et je vais mettre Other Scenery, peut-être. Parce que j'ai pas envie de mettre Other Building, peut-être plus. South America. C'est le zoo dont je t'ai parlé. Ouais. South America. Oh, c'est sympa. J'aime l'idée. Ça peut être sympa au sommet. Tiens, je vais la prendre. Dans le lac. Ça peut être sympa dans le lac. J'aime bien. South America Temple. Je vais prendre. Parce que comme on est côté un peu tropical, même si bon, il y a tropical Asie, tropical Amérique du Sud. Bon. Le thème de tropical, ça va bien, je trouve ça. Je trouve que ça va bien, moi. Même avec. Tu vois, on voit un orang-outan là-dedans, c'est pas si choquant. Si. Pack Temple. Sea Shop. Ah, oh. C'est pas mal en vrai comme idée. Oh, c'est mignon. Mais du coup, c'est quoi? C'est tout est en un bloc et après tu dois tout séparer. Vas-y, je vais le prendre pour voir. Parce que j'aime bien l'idée. Je pense que les orang-outans, on va les mettre dans un truc comme ça. Non, pas gênant, l'orang-outan. Dans un top Maya, on dira. On dira que c'est. Ah, ça va? On dirait que c'est comme dans le livre de la jungle. Ouais, on peut dire ça. Je pense que c'est un bloc et tu choisis ce que tu veux dedans. On verra. Du coup, fais voir la scène. Ah, les trucs qui sont un peu costauds quand même. Shop, c'est où là? Shop South America. Ah, j'aime bien ça. C'est ça que je voulais. Je voulais une tour un peu. Pas bien ça, c'est pris ça. Ça, on est content, ça. On est content, ça. Merci beaucoup, monsieur Boukistan, pour le Prime, deuxième mois d'abonnement. Ok, cool, ton projet, moi, sur Planet Coaster, je vais recréer le parc Disney à l'identique. Waouh, trop bien. Trop bien, ouais. Bon courage à toi. Bon, je pense que c'est pas mal. J'aime bien l'idée d'avoir quelques petites structures que je poserai à droite à gauche. Mais on est sur un truc où de toute façon il va pas y avoir énormément d'espace. Hein. Je pense qu'on va rester là-dessus. Ouais, je le prends. Mais on va rester là-dessus et on va aller. On va aller sur la suite. Alors, plan.
Teamwork. Il y a un générateur. Ah, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas parce que qui dit générateur dit galère pour... scinder le groupe dit galère pour le poser. Ouais, ça peut passer ici, j'aime bien. Plan. C'était quoi le truc du lac là? C'était ça. Eh mais tu sais que c'est quasi parfait quoi. Ah, c'est un enclos. Oh non, il l'a mis en enclos. Oh non, il l'a mis en enclos. Oh. Ouais, c'est pour avoir l'eau, quoi. C'est pas mal, hein. J'aime bien. T'as à croire que c'était prévu pour, quoi. Pas du tout, hein. On n'avait pas pensé. C'est sympa. Tac, c'est bien. Ah, dans les clôtures. Ni vu, ni collé. Ah, pas mal. J'aime bien. Le coup de bol en vrai d'avoir un truc qui ressemble à peu près à ce que j'ai fait quoi. Bon, du coup on va faire de la terraformation là. Ah mais c'est censé être en plus profond encore. C'est censé être plus profond encore, disons. Mais en vrai, je vais plutôt adapter que faire pile poil pareil, quoi. Bonjour Tom Player, retour de, sur Planet Zoo. Ouais. J'aime bien. On va juste essayer de prendre.
Après, ça, c'est le genre de truc qu'on aurait pu faire tout seul, mais bon, c'est vrai que. Vu que c'est fait, autant l'utiliser. Hein. Pourquoi je peux pas là? C'est l'eau qui gèle. L'eau, c'est vraiment incroyable dans ce jeu. Très bien. C'est pas mal déjà. Bon, on a fait le haut, on va s'occuper de l'enclos en lui-même. Est-ce que est-ce qu'on a un plan qu'on mettrait dans l'enclos? Non, pas forcément en vrai. Oh, ça c'est vachement bien. On l'avait téléchargé, ça? Il me semble qu'on l'avait téléchargé. Ça, c'est vachement bien aussi. Bon. La lumière. Il n'y a pas moyen d'orienter le soleil, on est d'accord? Pour qu'il soit au-dessus. Tac. Faudra peut-être faudra pas être sujet au vertige. Non, non c'est sûr. Mais bonjour Darzirendus. Non c'est sûr, faudra pas être sujet au vertige. Clairement. Alors que je réfléchisse 2 minutes. Je veux pas de clôture. Je veux pas de clôture, mais on a des orang-outans et une loutre qui ont tendance à quand même savoir grimper. Donc faudrait fermer avec des cailloux. Ah mais... Oh bah je sais. Ah bah je sais. Pause. C'est quoi déjà dans les paramètres pour que la barrière elle gêne pas là? Collision de l'environnement. La clôture, elle gêne là. Bon, la clôture, elle gêne. Bon. Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Clôture. Enlève ça. Si tu te fiches des optimisations du bien-être, etc., mets-toi en créatif. Non, c'est ce que je disais hier, ça je veux gérer. Je veux gérer ça. Je l'ai activé. Terrain. Hop, hop. J'espère que je vais pouvoir mettre. J'espère que je vais pouvoir mettre l'eau et qu'elle va passer pile. Là, c'est bien. Parce que je voulais que ce soit pas trop profond. Ok, parfait. Ok, c'est pas mal.
Alors, terrain. Je veux pas aussi large. Pourquoi? Parce que je vais ajouter des cailloux. Comme ça, les orang-outans seront bloqués par l'eau. Seront bloqués par l'eau et les loutres par les rochers parce qu'ils seront en train de nager et ils pourront pas grimper. Par contre, de ce côté-ci, ça va être un peu la misère. Je peux accepter une clôture là, mais j'en voudrais pas là. Et si on revient avec de l'eau ici, ça fait beaucoup. Et si on fait le tour là, ça fait encore énorme. Salut Lougri. Bonjour Captain Sparrow. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ou alors on mettra des cailloux. On s'arrangera, on mettra une... On mettra des cailloux. On mettra des cailloux. On va mettre des cailloux. On va mettre des cailloux. Ok. Allez. J'ai raté quoi? Bon, on démarre. On démarre, je vous montre juste. J'ai décroché ce matin. J'ai pris 50 minutes pour décrocher officiellement le sol de l'île. Du coup, on est vraiment sur une île volante. Voilà. Maintenant, on décore l'île. Terraformation de l'île en elle-même, même avec les enclos, etc. Nature, nature. Rocher. Tropeca. Rocher moussu. Voilà. Pas forcément besoin que ce soit aussi gros, et d'ailleurs faut pas que ce soit très très énorme en hauteur, sinon on va se retrouver avec les visiteurs qui vont rien voir quoi. Parce que là le but ce serait de mettre la route ici, donc il faut juste de quoi empêcher les loutres de passer. Je vais essayer de faire une structure de cailloux qui à la limite peut bloquer et que je pourrais faire copier-coller quoi. Donc une structure un peu mixte. Je pense que là les loutres passeront pas. Les visiteurs rentrent par où? Ils rentrent par là. Par ici là. D'où ils viennent? Bah écoute, ils sont là. Tous en prison. D'où ils viennent? Bah comme dans Planet Zoo de manière générale, de nulle part. Voilà. Comme ça. De toute façon, je peux toujours mettre la clôture là. Ouais, je peux toujours mettre la clôture. En invisible. On repart du coup de là. En invisible. Tac, tac. C'est quoi déjà la touche pour. Je ne sais plus. C'est W. Ils ont fait des nouveaux spots, visiteurs trop stylés, genre bus, bateau. Ouais, ouais, ouais. Mais m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas.
m'intéresse pas. Non, en vrai, je vais pas m'embêter avec ça parce que derrière, je vais partir sur. Non, c'est pas ça. Je pense que je vais. Merci beaucoup, Jade, bienvenue à toi. Je pense que je partirai sur des. Enfin, plusieurs entrées. Il y aura une entrée par île, je pense. On va mettre comme ça, au moins l'enclos est fermé. Je vais mettre l'eau. Et je vais regarder les orang-outans. Normalement, ils vont passer là, mais ils vont pas passer ici. Voilà. Attends, il a pas recalculé encore. Voilà. Donc, les orang-outans passent pas là, tout va bien. Ils passent là, on s'en occupe après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les loutres. Ah, c'est un orang-outan, ça. Ok. Est-ce que là où on a mis les cailloux. Ah, bah, mais en fait, ils grimpent. Ils peuvent grimper par là. Mais ici, ils grimperaient. Ici, ils grimperaient. Après, est-ce que c'est pas qu'ils sautent au final? Non. Ok. Donc là, avec ça, ils peuvent pas monter. Donc on peut prendre cette structure-là et faire du copier-coller. Pour être tranquille et fermer officiellement le coin. Tac. Et après, on mettra... mettre comme ça, c'est pas gênant. Et après on mettra des plantes histoire que ce soit pas trop visible, que ce soit que la même chose quoi. Après, je peux inverser comme ça s'il faut, tu vois. Ouais, on pourrait. Ah, j'ai une idée. Bonjour Benoît. Les îles principales seront reliées. Ouais, en fait il va y avoir, tu vois là par exemple c'est l'île tropicale, reliée à une petite île qu'on va décorer et tout, on va faire de la terraformation. Une petite île employée. L'île tropicale sera reliée à une île qui sera là et à une île qui sera là. Qui seront, je sais pas, île tempérée et île arctique, tu vois, j'en sais rien. Ou polaire, je sais pas comment on appellera ça, on s'en fiche d'ailleurs. Et chaque île aura son petit îlot employé séparé. Voilà. C'est l'idée. C'est l'idée, après... Après, à voir, quoi. Ce que ça donnera officiellement. Je laisse des espaces pour mettre des plus gros. Histoire de casser un peu. Nature. C'est pas trop là, ça gêne pas. Non, ça gêne pas.
ça ne gêne pas. Non. Voilà, donc normalement là, les loutres elles peuvent plus passer. Si? Ah merde! Si? C'est calculé là? Il y a des endroits où elles passent. Des endroits où elles passent ici. On sait pas trop comment. Ah bah si, mais. J'imagine que c'est en passant là, non? On sait pas trop. On sait pas trop au final. Hop hop hop! Est-ce qu'on serait pas en train de se tromper de caillou là? Bien sûr qu'on se trompe de caillou. J'ai envie de mettre celui-là, hein. Ok. D'ailleurs, ici, modifier la clôture. Là. Grillage. Très bien. La vraie question, c'est si je fais genre ça, copier, et que je mets ici. Est-ce que ça gêne? Et est-ce que les loutres, elles montent dessus? Ou pas? Les loutres montent dessus. En même temps, une loutre, ça saute. Hein. On galérait, les loutres. C'est pas trop par où elles passent, hein. Parce que, bon, ça passe là et ça saute là. Bon, pourquoi pas? Mais ici, là. Elle passe où, là? Parce qu'elle passe là? Bah non, elle passe pas là. Si, peut-être. Parce que là, dans l'absolu, elle monte pas. Attendez, ce que je vais faire, c'est que... Je vais faire ce que j'ai en tête. Je vais faire ce que j'ai en tête. Excusez-moi, messieurs l'arbre. Vous reviendrez plus tard. Hop. Elle vole. C'est vrai? Oh, mais on m'a pas prévenu. Parce que de toute façon, là, je voudrais que ce soit légèrement en contrebas. Donc je vais creuser. Je vais creuser comme ça. Et je vais creuser ici encore. Bien sûr, ça restera pas comme ça. Hein, on va casser. Et je vais juste mettre un passage pour une route. Ici, il y aura un pont. Ici, il y aura un pont.
Je pense qu'elle bug dans les textures. Et donc arrive à sortir. Comment ça? 8. Ouais, ok, c'est pas mal. Mais... non. Bonjour Ami Gaming, comment vas-tu? C'est pas mal, mais non, parce que je voudrais enlever ça. Du coup, je mettrais plus. Est-ce que c'est mon problème? Merci beaucoup, Rémi, pour le 4e mois d'abonnement. Merci à toi pour le Prime. Merci beaucoup. Et bonjour, Gaïana. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Mais je vais bien, merci beaucoup. Je fais ça comme ça. Je mets l'eau. Qui du coup cascade ici. Et surtout pont. Voilà. Ça c'est pas mal. Ok. Ça c'est pas mal. Terrain. Comme ça. Donc là il y aura un tout petit pont. Et du coup, on peut supprimer ça et faire la clôture naturelle via le fait que c'est en contrebas, quoi. Tu préfères Calmette ou la petite histoire de France, Roy, que ce sont des émissions humoristiques et qui portent sur les mêmes sujets que pas fan de la petite... J'ai pas beaucoup regardé la petite histoire de France, mais pas fan. Je trouve Kaamelott plus drôle. Comme ça. Ok. Attends, assieds-toi. Ah bah oui, mais ça va aussi. c'était pas pour moi, donc je réponds. Ah, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est pas mal en vrai. Ça, c'est pas mal en vrai. Hop. Modifier la clôture. On l'ajoute donc ici. Pas du tout. Là. On l'ajoute donc ici. Ouais, mais les loutres, elles vont... Ouais, les loutres, elles vont passer. Donc, il faudrait qu'on passe comme ça. Qu'on mette une clôture... Une grille. Pour assurer le fait qu'il n'y a pas de problème. Derrière, on peut basculer sur une clôture comme ceci. Puis sur une clôture comme ceci. Voilà. Et ensuite, on part sur une grande clôture. Et ici, un peu moins grande. Et encore moins grande. On fait une rotation. Tac. Tac. Et tac. C'est pas mal. Mince. Ici, modifier la clôture. On veut une grille. Voilà. Et du coup, mettre des cailloux. Des cailloux là. Hein. On peut. Hein. Un peu deck de pas pouvoir suivre tes lives plus souvent, mais je regarde les VOD très très souvent. Merci de te donner la peine de les upload sur YouTube. Ben, merci à toi. Merci à vous de regarder sur le replay. Merci à vous d'être là. Merci. Merci d'être. Merci d'être. Voilà, c'est tout ce que j'aurais. Merci d'être. Simplement. Après, on est peut-être pas obligé de mettre une grille. On verra. On va peut-être la supprimer. Ça me semble pas mal. Je vais juste ajouter là. Comme ça. Mince. Et est-ce que du coup là ça fuit encore?
Telle est la question. Recalcule, oui. Alors, ça fuit comment? Ça fuit partout, hein, déjà. Ici, ça fuit. Bon, admettons. Nature. Un caillou. Donne-moi un caillou, pas trop gros. Un petit caillou. On va poser comme ça. Est-ce que là, ça recalcule? Et là, ça bloque. Ok, très bien. Là, je me doutais un peu que ça passait, mais on va juste faire ça, c'est pas très gênant. Ça fuit encore, d'accord, très bien. Pas de problème. Pas de problème. Attends, tu sautes encore là? Mais attends, mais t'es une loutre ou un kangourou? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà. Ok, là ça passe plus. Très bien. Alors du coup là ça passe. Pourquoi ça passe? Je peux le comprendre, à mon avis c'est ça qui gêne. Recalcule. T'as pas calculé là, il y a du blanc. T'as calculé là? Ouais, t'as calculé. Par où tu passes? Oh bah c'est de mieux en mieux. Bah je t'offre la possibilité de t'enfuir. Passe par là, vous croyez? Ah bah c'était là. Ok, donc là on a bloqué, parfait. Donc je suppose que c'est la même chose, c'est ici que ça coince. Passe encore. Non mais t'es sérieux, ça passe encore là? Attends mais... Je vais encore refaire l'accès. C'est aussi agile que ça, une loutre? Au final, tout ce que j'ai mis, ça sert à rien. Je vais les enlever. Moi, j'aurais dit que c'était là, mais apparemment, non. C'est juste... Eh hey, ça fuit plus. Très bien. Elle va à tout prix sortir. Non mais elles peuvent pas rester en prison. Au bout d'un moment... Ça a deux minutes, hein. Est-ce que ce serait pas juste ces deux petits cailloux qui font fuir, là? Ah non, parce que là, du coup, t'escalades carrément. Là. Ah, il n'y a plus d'autre. Attendez. Une loutre. Ah oui. Oh, là, on a offert l'accès, quoi, forcément. Non, mais ce qui est dingue, c'est que ça saute, en fait. Hein. Moi, ça me choque. Je pensais que le fait d'être les pattes dans l'eau fait que ça les bloquerait. Au final, pas du tout. Hein. Thank you.
Ok, pas si mal. Oh non. Bon, si là, ça n'a rien changé, c'est que le problème vient pas de là. Et l'autre, ça saute et même assez haut. Même en nageant ? Je pensais qu'elle fait qu'elle serait dans l'eau, elles auraient pas le... Elles auraient pas les... Elles auraient pas ce qu'il faut, quoi. Et si on met un sniper ? Si on met un sniper en protection, on en a bas une ou deux et on est bon. Hein. Mais c'est pas une loot ça. Ah mais Agus il grimpe là lui. Bon, c'est pas la loutre. Mais attendez, Agus. Ok, Agus il fuit pas déjà. Ça c'est une bonne chose. La petite loutre qui dort en haut là. La loutre d'escalation. Hein? D'escalade. Comment? Comme les crocos, elles aident avec leur queue. Ouais, mais en vrai, bon. Occupons-nous des loutres d'abord. Normalement, la loutre elle passe plus. En vrai, elles sont méchantes quoi. C'est où que ça passe là exactement? Le problème c'est qu'on sait pas trop. Du coup ça serait ça quoi. Du coup ça serait ça je pense. Si je mets juste ça là. Là elle passe plus. Oh c'est sûr et certain. Ah c'est fini là. Terminé, plus de fuite. Pas du tout. Faut les comprendre, elles veulent rester. Faut les comprendre, elles veulent rester enfermées. Elles veulent pas rester enfermées. Ah mais moi je suis d'accord avec ça. Hein. Elle reste pas enfermée, c'est très bien. Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est cette propulsion C'est un dauphin le machin à ce niveau-là. Hein. C'est où? Après, je dis ça saute haut, c'est genre 70 cm au-dessus de l'eau, mais par rapport à leur taille. Ouais, non, mais bien sûr, non, mais je comprends. Je comprends. Comment ça se fait qu'ici ça passe? On a ajouté un truc comme ça, attends, je vais ajouter un truc comme ça, on l'a mis ici. Là. Bah, il y est. Il y est. C'est pas ça qui gêne. Attends, comment ça se fait que ça passe? Tu leur coupes les pattes et on n'en parle plus. Bah voilà, ça c'est une solution qu'on n'avait pas. Parfait. Qui est pour? On leur dira transformez-vous en poisson et puis c'est bon. De hein. toute façon, vous vivez dans l'eau. Vous avez plus de pattes, les gens ils vivent sans pattes. Hein. Les serpents par exemple. Ouais. Les serpents ça vit sans pattes. Bah, voilà. Plus de problème. Hein. Nous on est là, on s'esquinte à faire en sorte de leur faire un enclos joli. Un enclos où on va de toute façon se taper des réflexions parce que oh là là, on voit rien, bah achète-toi des jumelles. Et les loutres, elles veulent pas rester enfermées. Où sont les loutres? Il y en a encore une là, là. Et non, là. Peu importe ce que je mets, mais le truc, c'est qu'on sait pas d'où c'est. C'est où, là? C'est là? Ah, c'est peut-être là, puis après, elle saute là-bas. Ah, c'est peut-être ça. Par contre, dans le jeu, c'est un peu amusé. Ouais, bon, après. Faut pas dire ça, hein, mais tout, je préviens. Ça a été, d'ailleurs, Franzili. Si t'as le droit d'en parler. L'incident, on va dire. Mais attends, mais où est-ce que je suis censé bloquer, là? Si l'inspecteur arrive et qu'elle trouve des loutres sans pattes, le rapport va pas être très beau. Mais on leur dira c'est des serpents. De toute façon, c'est une inspectrice, bon voilà quoi.
C'est comme tous ces gens des bureaux, ils ont pas conscience de la réalité. Tu leur dis, c'est un serpent. Ah bon, d'accord, ok. Voilà. On change le panneau avant qu'elle vienne, et puis voilà. Je sais pas quel caillou mettre. Bonjour, Liliorka, comment vas-tu? Non mais attends, mais là ça me gêne en vrai. Ça me gêne parce que je sais pas, j'ai pas envie de mettre trop haut. Vas-y, mets ça. Est-ce que là ça gêne là? Ah. Donc la solution serait peut-être là. Si je mets là. Ah, on a peut-être trouvé le problème. Le problème est bel et bien ici. Donc si le problème est là, on va supprimer. Ceci. Son. Sec. Et on va mettre ça. Ouais. Nouvelle race de serpent, serpent à tête de loutre. Exactement. Non mais attends. On connaît pas toutes les espèces encore. On est sur une île volante, il peut y avoir des loutres sans pattes. Hein. Bon, c'est bon, les loutres, affaire réglée. Maintenant, vérifions orang-outan. Orang-outan, ça fuit ici, pourquoi? Parce que bah, ça saute, hein, l'orang-outan. C'est efficace, hein, l'orang-outan. Il n'y a pas de souci, on va mettre celle-ci. Comme ça, là. Ah, l'orang-outan, il passe plus. Voilà. Plus de fuite d'orang-outan. Maintenant, le tamaloir. Le tapir, bah ouais. Le tapir. Alors, faut faire attention parce qu'on a ajouté un truc ici, ça avait permis à la loutre de passer. Donc, est-ce que si je mets ça, ça le bloque? Oui, non, ne se prononce pas. Ok, est-ce que ça bloque le... On a réussi à les enfermer. Parfait. Alors attendez. Maintenant je vais ajouter ça là. Tac. Excusez-moi messieurs dames, je vais vous faire sortir, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Et maintenant clôture. Jusqu'à là on est invisible. Ok. Est-ce qu'il y a de la fuite? À côté, le lore de ton zoo, c'est pas des animaux morts qui sont là-bas? Des restes de leur mort, un passage de l'oreille dans un zoo, par exemple, stop à l'évolution. Exactement. Ben voilà. Exactement. Quand on coupe une patte, ça coupe aussi la patte de la main. C'est malheureux, mais c'est la vie. Il y a une petite fuite là, mais c'est juste parce que l'enclos est pas bien délimité. Hop. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Eh, c'est tout de suite mieux. Du coup, on peut finir la route pour offrir un accès aux gens jusque là. Et on va accueillir nos premiers visiteurs. Et après, on fait la déco dans l'enclos. Je vais diminuer la longueur. C'est bon. C'est qui le premier? C'est l'agent de sécu. Oh, bravo. Oh, il fait du beau boulot, lui, déjà. C'est beaucoup trop calme. Forcément, t'as pas ouvert le parc. Messieurs, dames? On peut y aller, là. Non? Monsieur Lame? C'est lui le premier visiteur. Alfonso Mayfield. Il est heureux. Les billets d'entrée sont donnés ce mois-ci. Pas que ce mois-ci qui sont donnés. Voilà. On bouge pas. Si je prends ta vue. Oui, très bien, tu vois l'intérieur. Parfait.
J'ai gagné le procès, du coup j'ai été... Ah mince, attends, j'ai pas fini. Attends, j'ai pas vu. Attends, je vais lire. J'ai gagné le procès, du coup j'ai été remboursé par le zoo et j'ai... Et là j'essaie de déménager. Et changer de zoo. Ah bon, bah parfait. Félicitations du coup. Sauvegarde! Hop. Alors, maintenant, on va décorer officiellement le parc, enfin l'enclos. Est-ce qu'on ajoute une construction à l'intérieur? Eh, peut-être, pourquoi pas. Attends, plan. Y a pas... Ah oh, non, mais tu vois, là, dedans, il y a 40 000 trucs, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Panneau éducatif. C'est quoi, ça? Il y a des lumières, là-dedans? C'est une lumière, ça? Tu peux voir de lui? Ah, c'est un lampadaire, quoi. On n'en veut pas. Bon, il y a pas mal de jolies constructions, quand même. Il y a pas mal de jolies constructions. Je prendrais juste un... Est-ce qu'il y a un choix qui m'intéresse? Là, tout de suite, non. Là, tout de suite, non. Pas dans ce que je recherche, quoi. Et c'est vachement sympa, toutes ces structures, en vrai. Je pense que ça va être l'ensemble de l'île. Vivarium, on prend pas. Ok, on va pas prendre ça. On va le laisser poser là, de toute façon, on l'utilisera, mais on va pas prendre ça. WC Tropical. Tropical Info. Temp South America. South America Temple. South America Temple. Et restaurant. Ok. En construction, il y a déjà des filtres. Thèbes. Amérique du Sud. Est-ce qu'on a des choses? Ah, c'est ces trucs-là, mais c'est un peu gros, ça. Il n'y a pas plus petit? Ruine. Une ruine. Je mettrais bien une ruine ici. Pourquoi? Pour pouvoir enlever le mur là. Comme ça, si j'enlève le mur là. Est-ce que eux passent à l'intérieur ou pas? Oui. C'est pas trop un problème. On a juste à faire style que c'est bouché. Parfait. Très bien, ça. Très, très bien. Ok. On pose quoi en premier? Des cailloux? On pose des cailloux? Allez, on pose des cailloux. Les gens sont déjà heureux de venir. Hein. Et ça... Ça fait quand même vachement plaisir. Est-ce que c'est mon problème ? Merci beaucoup Franzini qui offre 4 abonnements. Merci à toi pour ton est-ce soutien encore. Incroyable, merci beaucoup. Est-ce que c'est mon problème? Merci à toi. Est-ce que c'est mon problème? Trop gentil. Attendez, parce que le terrain. Ça là, on ne veut pas que ce soit comme ça là. Chez Franzini, ouais, merci à toi. Tu dois être félicité pour ce beau zoo. Ouais, on est sur le départ, mais merci beaucoup. J'espère qu'il sera beau. J'espère que vous l'apprécierez. Oh, le monde, quoi! En même temps, ils étaient tous enfermés à la porte.
C'est vrai que ça fait 45 ans, ils sont tous à la porte. En train d'espérer pouvoir visiter le zoo. Ils arrivent, bon bah voilà, il y a 4 animaux. Et c'est tout quoi. Ah oui, ça démarre bien, ouais. Ça démarre bien, ouais, je suis assez content. Je vais ici faire un peu de terraformation là. Ah, qu'il puisse passer là et pas avoir à faire tout le tour. Parfait ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça démarre pas mal. Allez, en avant. Ça fait longtemps que j'ai pas gift. Ouais, c'est vrai, après t'es pas obligé. Hein. Ça me fait clairement plaisir. Hein. En vrai, je pense ici, on va vraiment accumuler full orti hein, sur le côté là. Ça va vraiment être un passage un peu. Ouh, ça picote. Le passage, ça picote. C'est dans quoi déjà? C'est dans construction? Tronc? Ah ouais. Nice. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Est-ce qu'on mettrait pas carrément ça au final? Ici. C'est pas mal ça. On va mettre un effet d'eau. On va mettre un effet d'eau. Bulle, chute d'eau. Projection d'eau minimale. Non, c'est pas ça. C'est ça. Oh, c'est un peu excessif. Ce serait même plus dans l'autre sens en vrai. Non. Si on est logique. La cascade, tac tac, et ça vient là pour descendre et arriver ici, tu vois. Et là, ça part là. Donc il pourrait y en avoir des deux côtés. Ok, on va pas mettre le tronc ici. Bonjour Lucicia, comment vas-tu? POV, t'as des animaux qui mangent les orties et que tu dois en mettre dans l'enclos. Mais ce serait bien. Non? Si on pouvait avoir... Oh, attends, l'orang-outan, il passe là-dessus. Non, parce que si l'orang-outan, il passe là-dessus, j'enlève ce pont. Et le tabanoir. Le tabanoir, il nage, donc on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Une loutre. À fin. Oh, pardon, attendez. Ah oui, alors attendez. J'ai oublié de remettre un... Oula. J'ai oublié de remettre ça. Oh ouais, non mais... Les bébêtes. Oh la vache. Ils sont sur le pont. Oh le monde quoi. Oh ouais, j'aime pas ça. Il y a trop de gens là. Ah et du coup, ils passent plus là-bas. Ouais, forcément. Et ils passeraient sur le pont. Enfin, ils passeraient là-dessus. Du coup, la question, c'est si je le mets là... Est-ce qu'il passe? Non. Si je le descends. Non. Si. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Oh, c'est beau, merci beaucoup. C'est le départ. On les barre.
J'aime bien. C'est dommage, on est vraiment mauvais côté de la lumière, mais bon. C'est le jeu, quoi. Il y a tellement de visiteurs, c'est abusé, quoi. Ils sont combien, déjà? Horaire d'ouverture. De 10h à 14h. 14h50. Éducation des visiteurs au maximum, hein, bien sûr. Ça, ça fait plaisir. Ouais, est-ce qu'on voit le nombre de visiteurs? 657 visiteurs cette année. Une fois, je suis tombé dans des orties car il y a un animal qui en mange et qui était blessé, ça fait mal. Ah, ouais. Effectivement. Alors, sachant que ça va être une jungle, hein, donc après on va densifier au niveau quantité d'arbres. Hein. Je vais peut-être même poser les arbres avant les cailloux. Avant les cailloux. Ouais, je vais. Je vais poser les arbres avant les cailloux. Alors, du coup, on est sur de l'arbre tropical. Uniquement... Oh non, il aime pas la mousse. Ouais, c'est bon, c'est en l'air. Ça va, ça représente 0% et un... Ça va. Ça va. Nature. Bio. Tropical. Alors, Aquigalaria, je sais pas ce que c'est. Aquilaria? Pack préservation. Oh, c'est un des nouveaux arbres. Alors, le tronc. Oh la vache, mais tu veux pas faire plus petit? Arbre à saucisse. Je le savais. On nous disait que c'était... Pack Afrique tropical. C'est choquant? Non, en vrai, c'est pas choquant. On met des bambous. Après, des bambous, pourquoi pas, hein. On pourrait mettre un peu de bambou, parce qu'il y a des orangs-outans. On pourrait mettre un peu de bambou, ouais. Chêne soyeux d'Australie. Oh, waouh! Jeu de base? Mais attends, mais je l'ai jamais vu. Jeu de base? Mais je l'ai jamais vu. Bon, non, il monte. Ou alors ils l'ont ajouté dans le jeu de base via une mise à jour gratuite, quoi. Les joncs. Jeune noyé. Capoquier. Ils ont rajouté des arbres de jeu de base. Ah d'accord, ok. T'as beaucoup de packs supplémentaires? Je les ai tous. Je les ai tous achetés pour cette aventure. Tous ensemble. Sol pleureur. Ah ouais, les rhubarbes. C'est vrai que c'est beau la rhubarbe aussi. Qu'est-ce que c'est beau aussi. C'est vrai que la rhubarbe c'est beau. Je pense que de la rhubarbe, je vais en mettre. Tamarinier, et après, c'est quoi? C'est les Wimba. Wimba qui sont sympas, ils sont bien denses. Je pense que je vais mettre un Wimba ici. Là. 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 Je sais pas. Le Wimba, il est sympa aussi, le Wimba. Mais c'est immense, quoi. Il m'en manque 4. Ah ouais? J'ai DLC australien. Ah, du coup, je sais pas ce qu'il ajoute. Mais. Oh, que c'est beau. Oh, il est beau cet arbre. C'est vrai que le Wimba, il est sympa. Même le sol pleureur. De toute façon, c'est beau un arbre. Les gens, ils coupent des arbres. Moi, je trouve que les arbres, c'est beau. Ah. Je vais mettre un peu de bambou. Je vais mettre un peu de bambou. Celui-ci, il est vraiment sympa. Hein. Après, bon, on le voit pas trop.
Je le vois pas trop là. Océanie, climat tempéré, ouais, peut-être plus. Hein. On mettra peut-être plus dans votre climat tempéré. Hein. Bambou fontaine. Je vais mettre un peu de bambou ici. Il nous met une ombre cet arbre. C'est immense, c'est un peu trop grand. C'est moche. J'aime pas. Ok, ouais. C'est quoi ça? Bon, faire un peu plus dense. Les capoquets sont sympas, mais ils sont tellement immenses. Je les trouve jamais en plus. Loup de gorille et tapir, je crois. Quels animaux ? Non, ouais, j'ai orang-outan à la place de gorille. Ils sont grands. C'est la jungle. C'est vrai que c'est la jungle. C'est grand, quoi. Après. Si on veut que ce soit la jungle, faut mettre des grands arbres. Hein. Le figuier, je trouve vraiment pas ça beau. Hein. Mais bon. En même temps, faut pas non plus cacher la cascade. Ah. Elle sera forcément cachée. Elle sera forcément cachée. Tiens, j'ajoute déjà ça, parce que ça, c'est beau, ça. Hop. J'aime bien ça. Y a pas plusieurs couleurs de feuillage, ça serait joli. Tomate grimpante. Plusieurs couleurs de feuillage. Non, on peut pas choisir, je pense. Non, y a pas de. Y a pas. Oublié de pomme. Mais je suis en tropical là. Comment ça se fait que j'ai pu. Ils sont où mes arbres? Attends. Il est où l'arbre que je voulais? Pas le noyer. Ah, c'était le seul pleurin. Est-ce qu'on verrait pas un tout petit îlot ici, là? Avec un seul pleureur au milieu. C'est un petit coin pour aller chialer, quoi. Non, mais c'est vrai, ça peut être joli. C'est bon là? C'est bon.
Bon, les loutres passeront pas dedans, on s'en doute. C'est juste histoire de quoi. Bonjour, Justard. Pas mal, pas mal. Mets-moi un peu de tamarindé là, c'est parti. On va poser quelques arbres à droite à gauche là. La cascade est cachée, tant pis. De toute façon, la cascade, il faut bien la cacher. Si on veut que ça fasse un peu jungle, on est un peu obligé, non? Ça va le faire. Ça va le faire, en vrai. J'ai confiance. J'ai confiance, ça va le faire. Tamarinier, on va dire que tamarinier, c'est bon, je vais plus en mettre. Les noyers, c'est immense aussi. Oh la vache, tout est tellement grand. C'est tellement grand. L'arbre à saucisse. Ouais, on va mettre l'arbre à saucisse, quoi. C'est assez inattendu, quoi, mais... Ce nom, ouais, il est bizarre. Seulement le terraforming était aussi simple dans la vraie vie, c'est clair. Et quand même, là, en vrai, ça manque légèrement d'éclaboussure. Juste un peu, quoi. Non. Parce qu'après, on peut partir sur le principe que ça s'écoule et du coup... J'en mettrai quand même tout le long en fait. T'as fait un toboggan avec ton tronc. Ouais, c'est léger, mais ça va. C'est léger, mais ça va. Bonjour, Dido, comment vas-tu? Ok. Mais j'ai pas mis d'herbe. Ah non, j'avais pas fait ce côté-là de...
Attends, mais si, j'ai fait... Mais attends, mais j'ai fait tout ça. J'avais pas fait ça. J'ai hâte de les voir vivre dans leur enclos. Ça commence à prendre forme, hein. Attends, mais je l'avais fait, ça. J'ai rechargé ma partie ou quoi? Je trouve très stylé, tout de même. C'est vrai? Au début, j'avais un peu peur. J'avais confiance en moi, bien évidemment, mais tout de même un peu peur. Ah, mais c'est pas en reposant l'eau? Ah ouais, peut-être. Ah, ça commence à avoir une certaine allure. Du coup, qu'est-ce que... Il faut un arbre ici et un arbre là. Je réfléchis à leur taille. Et je réfléchis à ce que je veux. Ah ouais, en même temps, c'est pas si mal. Hein. C'est dense, quoi. Enfin, c'est dense, quoi. C'est dense. Je pense que pour les arbres, entre guillemets, c'est bon. Non, il en faudrait là aussi, quand même. Un petit truc ici. Est-ce qu'on mettrait un seul pleureur? Ça fait doublon avec ce qu'il y a là, mais si j'arrive à caser autre chose... Non, parce qu'après, je vais mettre des petits pommiers et tout. Pommiers poiriers, là. Ça va amener un peu de couleur et ils sont moins grands. Ils sont moins grands, je pense que ça va le faire. On veut de la densité un minimum pour faire ce côté un peu jungle. Comme ça. Et après, on va mettre des plantes au sol. Ici, est-ce que je mets quelque chose? Ça pourrait être bien de mettre quelque chose en vrai. Déjà mettre un truc comme ça. Et est-ce qu'il y aurait moyen de mettre un arbre? Merci beaucoup. Bienvenue. As, bienvenue à toi. Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre... Ah ouais, le manglier de pomme, c'est bien ça. Manglier pomme. C'est lequel? C'est celui-ci qui est un peu de travers. Le souvenir. Un peu sur le bord. Ouais, ok. Maintenant, on va passer sur le passage au sol, quoi. Je vais mettre des nénuphars dans ce coin-là. Oula.
Je vais mettre un peu de nénuphar. Merci beaucoup, bienvenue Kali. Bienvenue à toi. Ouais. Les orties, ouais, on y arrive aux orties, vous inquiétez pas. Tomate grimpante. C'est tomate quoi. Ok, on va mettre des cailloux. Alors pas trop grand, mais un peu quand même. Ouais. Ici ça fait vide. Hein. Ici ça fait vide. Dedans. Parce que j'ai bien peur que sinon ça soit pas folichon. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Elles ont abri les tapis et l'outre. Ouais. Les loutres, elles dorment là-haut. Elles peuvent passer par le pont là, donc. Et les tapirs, ils sont. Je pense que leur abri, c'est sous. En dessous là. Oh, les gens sont heureux, hein. Ça court. Ça, pour aller là-bas au bout, au final, y'a rien. Oh, c'est dommage, hein. Ça. Hein? Je me suis trompé de touche. Comme ça. Des cailloux. Je pense que c'est pas si mal déjà. En ajoutant peut-être un petit caillou ici. Ils sont sympas les cailloux moussus comme ça. Hein. J'aime bien. Moussus. J'aime bien. Et le petit couple d'orang-outans qui vit ensemble. C'est mignon. Alors. On va passer sur les feuilles, le feuillage, les fleurs, les machins. Il n'y a pas beaucoup d'options ici. Mais du coup, broméliacé, ça va pas... ça va pas pour le tapir. Alors que c'est tropical. Étonnant. Jacinto.
Il est où, là? Bon, je laisse. Je sais pas forcément prévu, mais je vais laisser. Je veux mettre... Où est-ce qu'elles sont? Rhubarbe. Ouais, beaucoup trop grand. Ok, c'est beaucoup trop grand. Je vais cacher ici avec de la rhubarbe, mais ça va être un peu trop. Je vais mettre autre chose. Est-ce qu'on aurait moyen... L'eau au-dessus, bien évidemment, qui gèle. Voilà, comme ça, on a caché ça. Ils sont à 100% et les loups peuvent aller dans la cabane. Ouais. Exactement. Mais de toute façon, on va faire un bilan sur les espèces après. C'est toi que je veux voir. Non, c'est pas toi. Laurent, ou temps. Tu peux toujours aller là-haut. Oh, par contre, tu fuis, là? Comment ça se fait que tu fuis, là? Tu sautes? Tel un bandit. Mais complètement malade. Ah, attends, parce que du coup, faut qu'on voit avec les loutres aussi. Eh ouais, forcément ça va tout gâcher. Maintenant, elles ont l'élan. Un élan? Oh ouais, alors attends, mais... Fallait me prévenir, hein. Elle me prévenir que les loutres elles passaient là. Elles passaient pas. J'ai rien changé. Si j'ai mis un peu plus d'élan. Oh, c'est pas vrai. Je pense que le souci vient de là. Parfait. On est bon. Tout va bien. Tout va bien. Sauvegarde. Attends, sauvegarde. Sauvegarde. On s'est échappé. Le retour des loots qui s'échappent. C'est bon. On est sauvé à faire régler. Alors, nature. J'aimais bien ce que j'avais mis en haut. C'était quoi? C'était le pommier. Pommier. Est-ce que je veux le mettre? Je veux le mettre à un endroit, je sais plus trop où. Ici, je crois. C'est ici que je m'étais dit, je vais le mettre là. Pour cacher ça. Voilà. Ça, les structures, on les voit pas. Très bien! Arbre à sauter. Alors, tout ça, on n'en veut pas. Ortie. Ou alors, je mets des fougères ici. Ah non, les fougères, je vais les mettre de l'autre côté. Ah ouais, je vais faire ça. Les orties. Oh. On est où sur T, là? J. M. O.
Et où sont les orties? Quoi? Où sont mes orties? Ah, c'est pas bon les orties. C'est tempéré. Ces prairies tempérées. Ça passe pas en tropical. Il y a eu une mise à jour ou quoi? Hier c'était bon, non? Tu veux plus de terre toi? Je vais t'en mettre un peu. Oh non, les orties. Attends, mais c'est bizarre. Ortie. T'aimes bien toi. Toi. Oh bah, il n'y a plus aucun terrain qui est bon. Ouais, et on fera ça une fois qu'on aura fini. Ouais, mais ortie, c'est pas bon. On est obligé de supprimer les orties. Nos chers orang-outans vont se piquer. Et c'est pas ce qu'on veut. Même le Wimba est pas bon. Non, mais il y a des trucs qui sont pas clairs quand même. Il y a des trucs qui sont pas clairs. Ah, parce qu'on a mis Amérique du Sud. Enfin, c'est Amérique du Sud, Amérique du Nord, alors que c'est pas l'Amérique du Sud. Ah ouais. L'arbre à saucisse aussi, ils sont pas fans. Les nénuphars non plus, ils sont pas fans. Les poiriers non plus, ils sont pas fans. Ça va, hein. Eh, ça va. Il en faut pour tout le monde. Hein. Fais voir, du coup, faudrait que je mette... Ah non, tropical. Hein. C'est que ça que je dois mettre. Oh, la vache, mais du coup, on est limité. Hein. Bon, c'est ça que j'ai pu mettre les orties hier. Bonjour Bebeuve. Je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi. Les rhubarbes, je vais les mettre de l'autre côté là-bas. Faut que je trouve un truc pour remplacer les orties ici. Je pense qu'on va mettre les pommiers. Les pommiers, c'est quoi? C'est Amérique centrale, Amérique du Nord, Asie. Ouais, donc les pommiers, ça passe pour tout le monde. Les pommiers, c'est pas un problème. Ah, c'est moins joli du coup. Eh ouais, mais c'est le jeu. Hein. Y a pas une position automatique rotation aléatoire là. Peut-être toujours le mettre dans le même sens. Oui, que tropical, il y a du challenge. Ouais. Bah, en fait, le challenge, ce serait de mettre un truc qui plaît à 100% à Amérique du Nord et Asie. Enfin, non, Amérique du Sud et Asie. Et tu vois, en fait, on n'a pas l'option. Mince. On n'a pas l'option d'avoir les deux. C'est l'un, l'autre ou les deux. Y a pas la possibilité de dire, tiens, tu vois, par exemple, Nénuphar. Et Nénuphar, il est Amérique du Sud, d'accord, mais il est pas Asie. Du coup, on n'en veut pas. Ça, ce serait intéressant. Ça augmenterait encore plus... Tu vois, du coup, faut regarder dans chaque truc. Je l'ai déjà fait. Tu vois, par exemple, là, c'est quoi ça? Manglier de pommes, bon, ils aiment pas, mais... Bref. Amérique du Sud, tu vois, orchidée. En même temps, on a mis un orang... enfin, les orang-outans avec les... Je sais pas avec qui, d'ailleurs. Avec les loutres. Parce que les tapirs, c'est Amérique du Sud.
Il y a deux tapis. Hein. Ouais, mais... On a mis... On a mis orang-outan avec espèce d'Amérique du Sud, quoi. Du coup, forcément, ça joue. Tropical Océanie. Donc, tu vois, typiquement, le jonc épineux, là, et on devrait même pas le mettre du tout, quoi. Rhubarbe, Amérique du Sud. Afrique, mais il n'y a pas Amérique asiatique, quoi. C'est immense, c'est incroyable. Je vais aller le mettre là. C'est bon la rhubarbe. Vous avez déjà mangé de la rhubarbe crue? C'est bon. C'est bon pour les saftes en plus. Je vous donne l'info. Si jamais... Si jamais vous n'étiez pas au courant. J'aime pas la tartare à la rhubarbe, mais la rhubarbe crue, j'aime bien. Cru non, mais en gâteau, oui. Cru, ça se mange pas. C'est horrible, non? Non, en vrai, c'est bon. Hein. En vrai, c'est bon. Moi, j'aime bien, en tout cas. Après, ça se trouve, c'est toxique, mais bon, j'en ai déjà mangé et j'ai rien du tout. Donc, je suis peut-être un être exceptionnel hein, qui survit à la toxicité de la rhubarbe. Je vais être contacté demain par. Par les scientifiques, on va vouloir prélever mon ADN. C'est sympa. Peut-être un peu trop. J'aime bien. Non, en vrai, c'est vachement bien. C'est vachement bon. Ça endort un peu la bouche. Enfin, non, mais un peu. C'est pour ça que c'est bien pour les aftes. Je vous conseille d'essayer, quoi. Pourquoi je suis en pause, j'en ai aucune idée. C'est pas si mal. Pas mal. C'est une noix de cajou qu'il faut pas manger cru. Ah ouais? Noix de cajou. Bon, en même temps, j'avoue que j'en ai jamais croisé. Il fuit là. Ah non. Jamais croisé de noix de cajou. Cru. Je sais même pas où ça pousse d'ailleurs. Sur un noix de cajoutier? Ça pousse sur quoi, une noix de cajou? Ah, mais du coup, tu vois, je pose ça là, mais. Asie, Amérique du Nord. Ah, bah si, c'est bon. Ah, ça c'est bon ça. Ça on peut en mettre partout, ça c'est bien. Ça.
Ok. Ça me semble pas si mal déjà. Hein. Ok. Et ça m'intrigue la grosse plante là. C'est Asie. Un sac mort un peu partout dans le monde suite à une trop grosse quantité de rhubarbe mangée crue. Cette intoxication est due à un streamer qui se prenait pour un être suprême en prétendant pouvoir manger de la rhubarbe. Mais écoute, ce serait quand même dommage. Hein. Vous êtes pas très nombreux si en plus vous mourrez. J'ai pu pas avoir personne sur le live. Non, non, ça se mange. Hein. Après, je dis pas que ça se mange en grosse quantité, hein, mais je n'ai jamais fait une assiette de rhubarbe. Hein. Une petite tige. Une petite tige, ouais, c'est bien. Ok. Stylé le parc, merci beaucoup. On est sur un départ. J'ai hâte de voir avec le recul ce que ça va donner. Ok, j'ai envie de mettre une plante. Genre, ce serait bien de mettre un arbre qui va Asie et Amérique du Sud. Ouais, genre toi par exemple. Je vais te mettre un peu dans la cascade là. Je sais plus lequel je mettais. Il y avait un arbre spécial cascade. Je me rappelle plus. Après, il est peut-être pas en tropical. Il est peut-être pas en tropical. Tu la fumes pas la tige, on est d'accord. Non, non. Enfin, pardon. Déjà parce que je fume pas, et en plus parce que je t'avance. Non, ça passe pas bien. En vrai, celle-là, on va la supprimer. Oh bah ça passe en fait. Bon, on va la laisser là. Ah mais je mets les pommiers qui vont pas partout. Bah si, ça va partout. Non mais je vous le dis, hein, si vous avez une rhubarbe et une aft, un aft, je sais jamais comment on dit. Vous verrez, hein, ça pique légèrement. Vous bavez un peu. Mais ça calme l'aft. La rediff va pas être longue. Ça va faire 2 heures, ouais, effectivement, on va peut-être couper pour la rediff. Je finis juste de poser ces petits pommiers là. Là-haut, il faudra qu'on mette un peu de déco.
Merci beaucoup. Bienvenue, Dark Angelus. Ok. Ça me semble pas mal. On va couper pour le replay.